Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Claudine, vous êtes la première, bienvenue, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes lundi, il est 14h et on se retrouve pour notre live créatif. Coucou ma petite coco, bonjour André, comment allez-vous? On va attendre quelques secondes que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il faut une première, mais oui, c'est ça, Claudine, bienvenue. C'est chouette. J'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, ça va, il y a du soleil, c'est déjà ça. Coucou ma petite Cam-Cam, comment tu vas? Alors, aujourd'hui, on va faire un projet très sympa, très facile, que vous allez pouvoir reproduire et reproduire et re-reproduire parce que vous ne serez jamais à court de photos, j'en suis sûre. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire et refaire ce projet et j'espère qu'il va vous plaire en tout cas. Moi, j'ai passé un bon moment à scraper ces photos, c'est chouette. Oui, gris, mais une année de plus. Oh, mais joyeux anniversaire, Claudine! Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Gros bisous. Coucou Marie-Christine. Alors. Donc, je vous rappelle qu'on se retrouve en ce moment même sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez être notifié eh bien, quand les lives commencent ou quand des nouveaux projets sont publiés. Sous la pluie, ça donne une excuse de plus pour le scrap. T'as bien raison. T'as bien raison. Profite. Moi, j'ai de la chance, j'ai un petit rayon de soleil, donc c'est plutôt sympa. Bonjour Karine, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Alors, pluie, tant toi aussi dans le sud, mon petit coco. Bah écoute, pas cool. Je vous envoie plein, plein, plein de soleil et plein de bonnes ondes pendant ce live. Oui, André, c'est pareil. Je vous envoie plein, plein de soleil et j'espère que ça vous réchauffera le cœur. Alors, avant que nous commencions le projet en lui-même, deux, trois petites infos. Ça va, merci Karine. Deux, trois petites infos pratiques qui peuvent vous être utiles. Peut-être l'avez-vous vu, j'ai pas tous les mots, hein, je suis désolée. tout le mois de mai, donc on arrive bientôt à la fin, il ne reste plus que 15 jours pour en profiter. Je vous propose de participer à un tirage au sort pour toutes les commandes qui seront validées jusqu'au 30 mai maximum. Et vous pourrez eh bien, tenter votre chance pour remporter la collection complète. Attention, pas que le papier, hein. Toute la collection auberge de campagne. Pour ça, il suffit simplement de valider une commande d'un minimum de 80 euros hors frais de port sur ma boutique en ligne ou directement avec moi. Et vous serez d'office éligible en fait à ce tirage au sort. Donc je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas, c'est jusqu'au 30, donc ne tardez pas à valider votre commande. Coucou ma petite Fafa, coucou ma petite Rachel, merci André, c'est trop gentil. Autre chose, nous sommes le 15 et le 15 de chaque mois, eh bien les inscriptions sont ouvertes pour une durée de 5 jours pour la box mensuelle du mois suivant. Donc ça y est, on est déjà aux inscriptions de la box mensuelle du mois de juin. Vous avez le lien en haut de la publication sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Un lien qui va vous diriger directement sur mon blog où vous aurez toutes les explications de la box mensuelle, mais également le lien vers le formulaire pour vous inscrire. En quoi consiste la box mensuelle? Et bien en fait, tout simplement, vous recevez chaque mois un petit colis surprise puisque je ne dévoile jamais à l'avance le contenu des petits colis. Et bien, vous avez la surprise quand le colis arrive de découvrir toutes les belles choses, tous les beaux produits Stampin' Up! Que je vous ai préparés et prévus chaque mois. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 20 mai pour vous inscrire. Et puis j'avais commencé ce mois-ci le club Colore ta vie. Vous avez toutes les explications sur mon blog. Vous voyez, ça vous permet en fait, c'est toujours là, j'y arrive pas.
Le club Color ta vie, en fait, vous permet d'obtenir une ou plusieurs couleurs de votre choix avec des produits coordonnés, donc du papier, des feutres, de l'encre, des recharges. Vous avez toutes les explications. Vous pouvez commander une couleur ou 10 comme vous voulez, c'est sans engagement. Donc ce mois-ci, vous pouvez en commander une pour le mois prochain et au mois de juin, en commander 5 pour le mois suivant. Voilà, vous pouvez vous inscrire tous les mois. Et puis le club Incolor, c'est pareil, les inscriptions sont ouvertes tous les mois. En revanche, c'est sur un engagement de 5 mois. Donc voilà, chaque mois, vous recevrez une nouvelle couleur avec le contenu qui s'affiche à l'image. Mais là encore, vous avez tous les liens qui s'affichent en haut de la publication sur Facebook, dans la barre d'infos sur YouTube. Bonjour Suzanne, coucou ma petite Viviane. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Suzanne? Temps couvert, mais pas de pluie pour le moment en Mayenne, alors à fond pour suivre un super scrap avec toi, Harmonie. Plein de bisous, Suzanne, c'est trop gentil. Autre information et dernière information pratique. La semaine prochaine, je ne serai pas là, donc il n'y aura pas de live en direct, mais je vous ai préparé un petit projet préenregistré, donc vous aurez quand même un projet à réaliser qui sera diffusé lundi prochain à 14h. Le lundi d'après, aucun live, par contre aucun projet. Je vous explique rapidement, j'ai eu l'immense joie l'année dernière de remporter grâce à mon travail, grâce à vous mes clientes, grâce à mes filleules, le voyage incitatif proposé par Stampin' Up tous les ans. Donc, nous partons samedi avec Chouchou pour la croisière en Norvège. Je ne vous cache pas mon excitation, vraiment. Et en toute sincérité, nous ne sommes jamais partis aussi loin et aussi longtemps, tous les deux. Donc, nous sommes vraiment très très impatients et avons besoin de cette petite coupure. Donc, je vous suis très très reconnaissante parce que c'est vraiment en partie grâce à vous qu'on peut faire ce beau voyage, donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous partagerai des photos si j'ai du réseau, hein, voilà. Mais on va essayer de vraiment en profiter tous les deux et de se reposer, parce que parfois c'est vraiment nécessaire. Merci Suzanne. Je ne connais pas du tout ce pays, donc voilà. Et voilà, donc tous les ans, Stampin' Up propose un voyage à remporter et c'est un challenge chaque année, mais c'est un vrai bonheur d'avoir cette chance-là. C'est la toute première fois que je vais pouvoir partir. Il va faire froid. Ouais, c'est clair, on a prévu. j'ai vraiment hâte. Voilà, donc le voyage l'année prochaine qui est prévu, c'est le Mexique. Donc voilà, je suis un cheveu de pouvoir le remporter, il me manque vraiment pas grand chose. Donc voilà, on va voir quand est-ce que j'aurai la chance de pouvoir remporter ce beau voyage au Mexique, peut-être ce mois-ci. Ça dépendra de vous, voilà. C'est grâce à votre engagement, André. C'est très gentil, je suis passionnée en fait par ce que je fais et j'ai beaucoup de chance. Oui, ça représente quelques heures de travail, mais j'ai cette chance-là de pouvoir faire quelque chose que j'aime. Et vraiment, c'est aussi grâce à vous, à votre confiance, à votre bienveillance, à tous les partages que vous faites, par exemple, sur les réseaux, et puis voilà, à la confiance que vous m'accordez lorsque vous prenez des abonnements ou des clubs ou simplement que vous passez une petite commande, quel que soit le montant sur ma boutique. Voilà, vous participez aussi à ce grand bonheur. Sur ce, je vais... Coucou ma belle Amandine. Je vais basculer ma caméra parce que si ça continue, vous allez me faire pleurer. Et on va tout de suite découvrir... Coucou Lydia, bienvenue. Redécouvrir le projet et puis ce que je vais utiliser aujourd'hui pour la réaliser. Finalement, je vais rester autour de la même collection en tournant un petit peu. Coucou Daniel, bienvenue. Non, pas du tout MSC, c'est organisé, c'est la Royal Caribbean. On va sur le bateau en français qui s'appelle l'hymne des mers ou Anthem of the Seas.
Des larmes de joie seulement. Oui, Amandine, carrément des larmes de joie. J'ai vraiment hâte et je suis très heureuse. Vous inquiétez pas, non, non, mais c'est de l'émotion, c'est pas de tristesse. Bien au contraire, bien, bien au contraire, soyez rassurés. Voilà, le moment où j'aurai peut-être obtenu le Mexique, je vous le dirai. Voilà, je suis très, très peu de choses d'y arriver, donc voilà. Allez, voilà la page que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Merci Amandine, plein de gros bisous. Je sais pas faire les cœurs. Assis comme ça, regarde. une jolie page au format 30-30, ce qui nous permet en fait eh bien, de mettre en valeur deux photos au format 10 par 15, donc le format basique qu'on a la plupart du temps. Amandine, il faut toujours rêver. N'arrête pas de rêver, ma bichette. Vraiment. Jamais j'aurais cru que je gagnerais celui de l'année dernière qu'on n'a pas pu faire, enfin de l'année d'avant, et celui-là, franchement, vraiment. Donc, faut croire en ses rêves, vraiment. Donc, voilà, donc deux photos au format 10 par 15, c'est l'idéal en fait pour vraiment mettre en valeur nos photos. Vous pouvez les inclure dans un album, vous pouvez les accrocher telles quelles, vous pouvez aussi les mettre sous cadre, parce que les cadres en 31, 32, ça existe, donc c'est tout à fait possible. Et puis ça vous permet aussi de faire des rotations, de changer un petit peu et puis de toujours mettre en valeur vos photos. Ici, ouais Amandine, moi je suis de tout cœur avec toi. Un jour on se retrouvera là-bas. Pour cette collection, il s'agit de la collection Œuvres magistrales. C'est une collection que j'ai découverte et qui m'a beaucoup surprise lorsque j'ai ouvert le paquet, puisque c'est vrai que dans le catalogue, elle paraît un petit peu hyper chargée. Ceci étant dit, on peut quand même, vous le voyez, s'en servir pour eh bien, mettre en valeur les photos par petites touches. Vraiment, il y a vraiment du potentiel dans cette collection et je vous dis, j'ai vraiment été agréablement surprise. Lorsque j'ai ouvert mon paquet, je vais vous montrer les demi-pages que j'ai. Voilà, donc c'est un aperçu, c'est vraiment en demi-page, hein. Ça, je vous montrerai après. Alors, on a un peu cet effet déchiré qui est assez original. Coucou Martine, merci Amandine. Cet effet déchiré aussi, et il y a des poinçons qui peuvent aussi vous permettre de faire cet effet-là. Alors, je vous montre ça. Puisque le papier est accompagné de poinçons et de tampons, bien sûr. Donc, vous voyez, vous avez cette découpe-ci qui vous permet de faire cet effet déchiré eh bien, sur vos papiers, pourquoi pas. Et vous avez ces magnifiques découpes de feuillage que vous retrouvez sur ma page, voilà, que j'ai faites en blanc pour pouvoir casser un petit peu cet effet chargé et de pas trop en mettre, même si je voulais mettre un petit peu de déco. Je me suis dit en blanc, ça sera plus soft. On a une petite étiquette et puis on a cette découpe aussi qui permet de faire comme des pages de bloc ou de classeurs, vous voyez. Vous savez les cahiers à anneaux? J'en ai pas là? Si, j'en ai un là. Oula! Oula! À vouloir sortir mes trucs en brouillon. Vous voyez? Ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait un effet très très sympa. Donc je continue avec ce magnifique papier. Coucou Muriel! Hop, je vous montre le recto et le verso à chaque fois. Donc c'est des couleurs très très flashy, très très gaies, mais vraiment. Merci ma Camille, mon soutien verbal est là. Merci Martine. Regardez, ces motifs sont vraiment incroyables. Voilà, par petites touches, si vous n'êtes pas très adepte des trucs très chargés, voilà. Par petites touches, il y a vraiment, vraiment possibilité de s'éclater. Alors, je ne sais pas si vous apercevez à l'arrière, mais on a comme des tamponnages de mots qui ressemblent à ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé aussi pour ma page. Des couleurs très variées. On retrouve notre freesia en fleurs. Voilà. Et ça, vous pouvez pas même imaginer de le recréer, hein, cette chose-là, en déchirant vos papiers. Ça peut être très marrant. On peut couper aussi. Ça, c'est la page que je vais prendre aujourd'hui pour ma version d'aujourd'hui.
On retrouve le Pan-Pan-Pan et le lagon lointain. Alors là, vous me direz, oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Mais oui, mais c'est tellement joli. Et encore une fois, par petites touches, ça peut être absolument extraordinaire. On a l'impression que les roses sont vraies. C'est absolument magnifique. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous servir des versos de ces papiers. Un autre papier que je voulais vous montrer aussi, que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le papier doux scintillant. Ce sont des papiers brillants. Regardez comme c'est joli. À la lumière, ça brille. C'est trop beau. Est-ce que vous les aviez repérés dans vos catalogues? Dites-moi. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Ce qui va remplacer ma bande ici. C'est chouette, hein? Alors, imaginez par exemple avec les ballons, la collection vif et coloré avec les petits ballons là. C'est idéal pour les trucs de fête. Alors, maintenant que je vous ai à peu près tout montré, je vais prendre mon matériel. Alors, la référence des papiers. Attends, doux scintillement, Muriel, ne bouge pas. 161, 750. Je mets ma page de côté. Toc, et je repars sur une page vierge. T'as des canaris dans la pièce? Non, non, Catherine. C'est les oiseaux dans mon jardin. C'est la nature. Non, non, je n'ai pas enfermé d'oiseaux chez moi. On hésite à les commander car on ne voit pas la texture. Martine, est-ce que ça vous aide de les voir comme ça? Ils sont tout doux, contrairement à ce qu'on pense, et très brillant et un petit peu cartonné, mais légèrement. Donc très sympa. Donc, ici, j'ai ma page au format 30,5 par 30,5. Si jamais vous voulez faire du format 15,15 ou du 20,20, il suffit de simplement de modifier, hein, vous adapter, évidemment. Je vous donne les mesures de base et après, vous faites en fonction de vos envies, mais ça jouera aussi selon vos photos. Les grenouilles sont parties, elles ont laissé la place aux oiseaux. Bah, il fait pas très beau en ce moment, ces derniers jours. Donc du coup, on les entend un peu moins, mais attendez, le live n'est pas terminé. Alors, je vais prendre ce tampon-là pour venir décorer mon papier. Je vais prendre la couleur Bain à bulles, qui est un nouveau rose absolument magnifique, qui est un vrai rose et dont je suis complètement fan. Vraiment, il est super joli. Il est clair, mais il est vraiment très sympa. Donc, je prépare ça. Voilà. Toc, je récupère. Je ne sais plus ce que je voulais. Ah si, ma feuille. Je vais vous montrer ma feuille de papier design que j'ai choisi d'utiliser. Voilà. Un petit peu plus, un peu moins foncé que la première. D'accord? Avec cet effet déchiré qui est là. Et avec toujours les petites écritures ici. Je vais reproduire à peu près la même chose avec mon tampon. Donc, petit conseil, positionnez d'avance. Avant de le coller, mais positionnez votre papier qui, je vous rappelle, mesure 25,5 par 25,5, d'accord? Et je vais venir déposer mes lettres comme ceci tout autour. Donc je ne vais pas évidemment gâcher de l'encre pour en mettre sur toute cette partie-là puisque de toute façon, elle ne se verra pas. Si vous utilisez une encre un peu foncée, je vous remontre ici, j'avais utilisé Après-midi Azur. D'accord? Vous voyez, je l'ai tamponné en plusieurs générations. Donc, j'ai tamponné une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, sans jamais remettre mon tampon dans l'encre. Donc, première génération, deuxième génération, et celle qu'on voit encore moins, troisième génération. D'accord? Jouez selon la clarté ou non de votre encre. En l'occurrence, mon bain à bulles est très clair. Donc, je pense que la première génération suffira. Ouais, ça va être très chouette.
celui-là, c'est mon chouchou. Et Explosion de baie. Ouais, je suis d'accord. Ils sont très très beaux, ces deux roses. Très différents, hein, mais vraiment très beaux. Et du coup, oh, je peux quand même faire en deux générations. Vous voyez, donc je tamponne une première fois. Et une deuxième fois. Ça se voit un petit peu moins. Du coup, même à l'image, je ne sais pas si vous l'apercevez bien, bien. Légèrement, hein. Bon, avec la luminosité, c'est un petit peu compliqué, mais vous avez compris le principe. Et du coup, voilà, je viens tamponner plusieurs fois. Donc là, j'ai choisi un seul tampon. Bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs. Il n'y a aucun souci. Le mien étant un petit peu chargé, j'ai décidé de n'utiliser que celui-ci. Voilà. Et on disperse un petit peu partout nos tamponnages. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Simplement pour faire une petite déco tout autour de nos pages. Coucou Ali, ça va ma bichette? C'est marrant parce que je pensais à toi quand j'ai fait cette... Quand j'ai préparé ce projet, je me suis dit, il faut que j'en fasse une avec les garçons. Et du coup, je me suis dit, il faut que je recherche des photos ou je demande à Ali. As-tu du beau temps avec le chant des oiseaux? Alors oui, j'ai un rayon de soleil depuis une heure ou deux, là. Il y a un peu de nuages, mais j'ai quand même un petit peu de soleil, donc c'est très agréable. Je sais pas si tu as vu la page, Ali. Je vais te la remontrer, du coup, peut-être. Comme ça, tu pourras peut-être m'envoyer deux photos des garçons et je pourrai faire la page avec mes petits neveux. C'est très simple ce que je suis en train de faire, mais c'est hyper agréable. Vraiment très agréable. C'est ça, Ali. Comme ça, je peux faire deux photos en 10 par 15. Donc, ça sera pas le même thème de papier avec les garçons, évidemment. Je m'adapterai. Hop, voilà. Alors, je vais repositionner mon papier pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, bah, c'est vous, vous voyez rien du tout, là. Coucou, Aude, bienvenue. Alors, est-ce que mon Zoom veut bien se réveiller? Ah, soyez patiente, hein. Ne m'en veuillez pas, ça va le faire. Ça arrive souvent que la caméra me fasse des siennes. Bon là, c'est un peu long quand même. Allez, voilà, je suis de retour. Donc je disais, je repositionne ma feuille de papier à motif pour voir un petit peu ce que ça donne et je vois à peu près où... Je veux en rajouter, voilà, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu plus même parce que, voilà. Donc vous pouvez jouer comme ça en fait avec votre papier à le mettre, le retirer, le mettre, le retirer pour que vous ayez une vue d'ensemble et pour savoir où exactement vous voulez tamponner, où vous voulez rajouter de l'encre ou pas et rajouter des motifs parce que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, mettre des feuillages, mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez en mettre vraiment plusieurs, il n'y a aucun problème. Du coup, avec le bain à bulles, ça va être un peu moins marqué qu'avec après-midi azur que j'avais utilisé pour la première version. Mais ça va être... C'est un petit peu romantique, je trouve. J'adore faire ça pour mettre en scène dans mes cadres suivant les saisons ou les occasions. Ouais, je suis tout à fait d'accord Martine, j'aime beaucoup beaucoup aussi. C'est très agréable. Du coup, avec ce set de tampons là qui fait partie de la collection, il y a un rappel quand même avec la page, le papier à motif. Donc c'est vraiment très sympa, il y a cette coordination, je vais y arriver, qui est vraiment parfaite en l'occurrence. Ah, l'amour, mais oui, n'est-ce pas? Alors, ensuite, je vais coller ça, puisque maintenant je peux, d'accord? Je vous remontre la première version.
Ah, oh, coucou Nathalie. Bah alors, t'as raté l'heure? Ok, voilà. Donc là, je vais déjà coller mes photos sur mon papier de matage. D'accord. Et puis, après, je vais positionner un petit peu tout pour pouvoir voir comment je vais les dispatcher. Et puis, je vais aussi, je n'ai pas pris les mêmes feuillages. J'en ai pris d'autres. Je vais vous les montrer. Vous allez voir, ils sont tout aussi magnifiques que ces deux grands-là. Ils viennent d'un autre set de poinçons. Et il est vraiment très très beau. Alors, première étape, je prends mes photos. Alors là, c'est mes choupettes et le clos lucé. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Il est là. Donc, mon mattage ici, 10,5, non, si, 10,5 par 15,5, d'accord? En fonction de ma photo qui, elle, fait bien 10 par 15, d'accord? Donc c'est l'avantage de ce genre de page, c'est qu'effectivement, eh bien, on peut directement mettre des photos au format 10 par 15 sans se prendre la tête. On y va direct. Donc c'est parti. Le matage en après-midi azur. Voilà. Bon, c'est très très simple, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est agréable à faire de mettre nos photos en valeur comme ça? C'est OK. Je colle maintenant mon papier à motif ici. Oh. Coucou Monique, c'est gentil de faire un petit coucou. Gros bisous à toi. Toc. Voilà. Donc là, il n'est pas question de faire des plis, des coupes et tout ça. Juste. On coordonne nos papiers, nos photos, on met des décos et puis le tour est joué. Voilà. Et là, je viens poser mon papier. Vous laissez la marge que vous voulez en bas et sur la droite, hein. Faites-vous confiance et laissez aller votre imagination. Je vais rester sur la même configuration de page, d'accord? Après, si vous avez deux photos portraits, aucun problème, vous pouvez exactement faire le même principe. Voilà. Déjà, ça rend super bien, j'adore. Heureusement que je le trappe car je trouve que vraiment les photos sont numériques. Et... Oui, je suis bien d'accord, Muriel. C'est vrai qu'avec nos téléphones portables, on a tendance à ne plus imprimer de photos. Et du coup, le fait de faire ça, eh bien, on va garder une vraie trace de nos souvenirs. C'est vraiment très sympa. Alors, je vais continuer. Maintenant, je vais passer un petit peu plus à la déco en ajoutant des petites découpes. Je vous avais aussi proposé de préparer une bande qui mesure 30,5 par 4,5. Là encore, vous pouvez modifier la largeur de votre bande de papier sans aucun problème. Sur ma première version, j'avais pris du frésia en fleurs, d'accord, pour le papier et également pour mon encre. Et je me suis servi, oui, je me disais, je me suis servi de ce feuillage-ci, d'accord, qui fait partie du set de tampons de la collection, pour tamponner en ton sur ton et habiller un petit peu, donc, cette bande de papier. Pour cette fois-ci, je garde le même principe de la bande de papier, sauf que je vais donner un petit côté brillant à ma page. Et du coup, je vais prendre le papier doux scintillement que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-ci en barre à bulles. Voilà. Ça va atténuer un petit peu le côté hard d'explosion de baie, mais qu'on va quand même apercevoir un petit peu. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et ça va donner un côté brillant et beaucoup plus doux à notre page. Je ne vais pas la coller tout de suite parce que justement, je vous ai dit, je vais rajouter quelques petites découpes.
Et ces fameuses découpes, en fait, elles proviennent des poinçons composition classique. Alors, ça fait partie d'un lot dont les sentiments sont en français. J'ai considéré que je n'aurais pas besoin de ce set de tampons. Donc, je me suis contentée de prendre les découpes qui, clairement, se suffisent à elles-mêmes. J'aime beaucoup le principe parce qu'en fait, regardez, les feuillages sont directement accrochés à une petite bande de papier. C'est donc ces découpes-là que je vais utiliser et que je vais pouvoir, vous allez voir, la petite bande sera cachée par mon matage photo, mais les feuillages vont pouvoir ressortir, par exemple là, de part et d'autre, dans le coin, ici, ça va être très joli. Et du coup, eh bien, c'est vraiment très très sympa d'avoir toutes ces petites bandes, je trouve ça super original. Et en plus, on a la chance d'avoir trois poinçons dont on peut servir pour faire des étiquettes, donc ça, c'est génial. Oui, Suzanne. Ah oui, Suzanne confirme le fait qu'on n'imprime plus assez nos photos et c'est bien dommage. Et du coup, nous, on scrape, donc nous, on a des super photos. Alors, ma petite Fabienne, le set de poinçons s'appelle Composition classique. Donc, juste les poinçons, d'accord, 161-525. Le lot complet avec, comment dirais-je, avec le set de tampons dont les sentiments sont en anglais, s'appelle Timeless Arrangements. D'accord, donc là, vous avez juste les poinçons, là, l'ensemble. Et donc ça, c'est le set de tampons coordonnées. Et vraiment, ces découpes, elles sont absolument incroyables. Donc, je les ai déjà découpées. Je suis restée dans l'idée du blanc. D'accord. Et voilà un aperçu de ce que ça donne. Bougez pas, je vous récupère les autres en même temps. Parce que ça va faire beaucoup dans mes mains. Hop. Et on en a aussi qui sont toutes seules. Vous voyez? Donc là, ça permet, par exemple, vous voyez, ça habille et ça ressort. C'est presque un peu ASMR tes vidéos. Ça me détend trop, mais faut pas que je sois trop détendue. Je t'embrasse, ma petite Annie, t'es trop mignonne. Bonjour, Nadine. Voilà comment ça peut se positionner. Est-ce que vous avez vu la belle mise en valeur? Rien qu'avec cette petite découpe, c'est vraiment super chouette. Et il suffit de pas grand-chose, hein, mais que ce soit sur nos pages d'album ou sur nos cartes, ça peut être incroyable. Et on a toutes dans nos réserves des sets de tampons avec des tout petits sentiments qu'on peut tamponner si on ne veut pas cacher cette bande ou écrire carrément à la main un petit message. Ça peut être très très fun. Je vous montre une autre. Voilà, donc là c'est pareil, regardez. Au-dessus, et puis on peut imaginer en mettre entre les deux, en rajoutant, voyez, parce que comme je vous ai dit, on en a qui sont des petites découpes qui sont toutes seules, donc on peut aussi s'amuser à faire un petit bouquet de feuillage en rajoutant des individuels ou en superposant tout simplement. On peut en superposer. Imaginez que vous ayez deux couleurs. On peut mettre une plus foncée à l'arrière et puis le blanc par devant, par exemple. Voilà, c'est vraiment super chouette. Je dois en avoir encore un. Voilà, il y a celui-ci aussi. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué? Vraiment, je me suis dit ça, il me le faut, en fait. Je ne me suis pas posé la question. Enfin si, je me suis posé la question, mais pas très très longtemps. Voilà, et on a donc les petites découpes. Je ne les ai pas toutes découpées, hein, j'en ai pris que quelques-unes. Mais là, il y a quand même de quoi faire. Donc là, je vais simplement les positionner sur ma page. Et vous l'aurez compris, un petit peu derrière mes photos. D'accord. Toujours en blanc, je vous ai dit, parce que du coup, ça permet un petit peu de casser eh bien, le côté chargé de mon papier. Hop. Et là, ouais, je vais peut-être la mettre ici. Il faut que je pose celle-ci parce que je vais finir par les abîmer. Voilà. Hop, si je pose ça comme ceci. Voilà. Celle-ci, elle viendra un petit peu par-dessus. Donc ça, c'est sympa. C'est un petit peu ce que je voulais. Voilà. Ici, c'est pareil. Alors, vous avez vu, c'est tout bête, hein.
C'est vraiment tout tout bête, mais très très sympa. Du coup, est-ce que celle-ci, je la mets là? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je suis sûre que vous êtes en train de vous faire votre page dans votre tête si vous n'êtes pas en train de scraper? C'est sympa, hein? Ah bah si, j'en ai encore. Alors, et puis celle-ci, je vais peut-être me la mettre ici. Parce que, je vous explique, contrairement à ma première version, je ne vais pas mettre de tamponnage sur mon papier brillant. Je pourrais, mais je n'ai pas spécialement envie, je ne suis pas sûre du résultat. Donc, ça, je vais en rajouter un petit peu. Par contre, je vais juste mettre un petit sentiment ici. Et là encore, c'est une petite trouvaille dans le catalogue qui est plutôt pas mal. Et tellement j'étais contente quand je l'ai vu dans le catalogue parce que j'avais un grand regret les mois précédents quand il y avait ce genre de lot qui était sorti, mais en anglais. Et là, ça y est, on en a un en français. Ce set de tampons s'appelle Pensée merveilleuse. Il a des sentiments qui sont absolument magnifiques. J'ai deux, trois petits coups de cœur, notamment celui-ci. J'écouterai ton silence si les mots te manquent. Alors ça, je craque. Quel bonheur que tu sois à mes côtés. Ça, c'est pareil. Je craque. Les autres aussi, hein, bien sûr. Mais ce sont vraiment mes deux principaux chouchous. Je pense à des petits cadeaux personnalisés et pratiques pour mettre la colle. Exactement, André. J'adore quand votre imagination se met en route. Et donc, tous ces sentiments sont accompagnés d'un lot qui permet de découper chacun de ces messages au plus près. Ma petite Mumu, tu veux les poinçons? Lesquels? Les premiers, les feuillages? Les feuillages. Composition classique. C'est cette référence-là. Mais il y aura tout sur mon blog après, hein, t'inquiète pas. C'est ceci. Je laisse là, mais je ne sais pas si vous allez voir suffisamment la référence. Donc je disais, ces sentiments, eh bien, ces poinçons vous permettent de découper tout à fait au bord de chacun des sentiments. Pour donner, par exemple, quelque chose comme ceci. Et ça, c'est pareil, je craque. Voilà, les années précédentes, on avait ça uniquement en anglais. Et là, ça y est, on en a un en français et j'adore. Donc, les poinçons, pensée merveilleuse, 161 492. Et le lot complet, en fait, donc le set de tampons et les poinçons, c'est 140, 161 495. Et ça, je trouve ça super parce que c'est pareil. On n'a pas toujours les bonnes étiquettes, les bonnes découpes, les bons formats, les bons gnagnas. Là, c'est pile poil et je trouve ça trop cool. Du coup, j'ai préparé celui que je vous ai montré à l'instant. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Le tamponnage fait et du coup, le poinçon tout à fait autour. Et du coup, je vais simplement ajouter ce petit message-là. Je trouvais que ça allait bien avec les deux petites choupettes là. Les deux frangines, voilà, juste un petit message. Vraiment trop mignon. Je vous dis que je me suis éclatée avec cette page, mais c'est vrai en fait. C'est la vérité vraie. Et juste pour finir, vous montrer ce que j'ai utilisé sur la page précédente. Encore une des nouveautés, ça fait partie de ça là. Explorer, rêver, découvrir. Et pour les adeptes des pages de scrap ou des albums, celui-là, il vous le faut. On est d'accord. Voilà, que vous partiez en vacances ou pas, et que vous ayez des souvenirs avec les enfants ou les petits-enfants, voilà, il y a vraiment de quoi s'éclater. Ces tampons sont absolument magnifiques. Ils peuvent être tels quels en restant un côté vintage noir et blanc, mais vous pouvez aussi les coloriser. Et les messages, forcément, pour les albums, c'est vraiment, vraiment trop pratique. Donc là, explorer, rêver, découvrir, eh bien, je l'ai. C'est ce que j'ai utilisé ici, tout simplement. J'ai pas voulu en mettre plus, encore une fois, hein. Tout était assez chargé, donc je trouvais que ça suffisait. Mais pour le coup, eh bien, ça peut être vraiment génial pour vos albums. Voilà. Ah, mais mieux l'avait déjà repéré, celui-là. Mais oui, forcément.
Forcément. Donc voilà. Alors maintenant que je vous ai montré tout ça, bah, je vais pouvoir... je savais que ça te plairait, Ali. Ça, c'est chouette. Mais oui. Je te vois venir. Il me reste en fait à coller tout simplement cet ensemble. Et eh bien, ma page sera terminée. Donc ça, c'est assez chouette. C'est pas compliqué. C'est pas long à faire. Et on se détend en mettant en valeur nos photos, nos beaux souvenirs. Et on sait que chacune des pages peut être accrochée, collée, offerte, encadrée, insérée dans un gros album. Il y a plein d'options possibles dans cette page. C'est vraiment... J'adore. Alors, je vous propose que je colle ça rapidos pour que vous ne perdiez pas trop de temps. Repérer aussi, ce sera pour la prochaine commande. Ah. Mais oui, toute bonne scrapeuse qui se respecte cherche des sets de tampons de ce style. Alors, je vais par contre attraper ma colle parce que là, c'est un peu petit et du coup, je vais être embêtée. Bon, quoique là, pas vraiment, mais... Alors, je vais la poser ici. Je m'adapte avec mon poinçon. Vous voyez, donc je vais mettre comme ça. Voilà. Je sais que celle-ci, je vais la mettre là. Hop. Alors, je prends ma colle. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. C'est de bien positionner l'ensemble avant de venir coller pour que vous puissiez avoir un aperçu global de votre page et du rendu final avant de tout coller. Alors, la feuille DF, c'est bien pratique pour ces poinçons. La feuille DF, c'est quoi la feuille DF, ma biche? J'ai pas compris. Puis là, du coup, c'est super facile pour coller. Comme on a la petite bande, c'est nickel. Voilà. Ah, la feuille double face. Oui et non, parce que du coup, tu vois, comme on a la petite bande, en fait, on en met juste sur la petite bande et franchement, il n'y a aucun problème. Grande discussion d'oiseaux dehors. Tu m'étonnes, c'est le printemps, ils sont au taquet. Voilà, je repositionne pour me faire encore une idée. Toc, je vais coller ici. Je vais déjà coller à ma bande et après je collerai la bande, comme pour les photos. Je colle par l'arrière. Ouhouhou. Allez, non mais... Toc, coller ça par-dessus. Voilà. Mais non, t'es pas nanaï, ma biche. Voyons. Alors. Voilà. Et du coup. Toc. Voilà. Comme ça, c'est collé à l'arrière. Je vais pouvoir positionner l'ensemble après. Et ben, c'est bon. Maintenant, je peux coller mes photos. J'aurais dû coller celle-là en premier. Réfléchis un petit peu plus, Harmonie. Va bien se passer. Désolée, je vais faire un peu mal. T'inquiète pas, Marie-France. J'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, c'est parti. Je repositionne ça. Un décalage. Ok. Parfait. Et je viens poser la deuxième. Hop. Et du coup, oui, depuis samedi, ça va. J'allais le dire, justement. J'allais le dire. Hop, je
Je colle cette bande. Voilà, je peux en mettre un petit peu sur la bande de feuillage. Et du coup, c'est parti, je colle tout ça. Voilà. Et il me reste plus qu'à coller mon petit sentiment ici. Je me demande. Non. Voilà. Je ne vais pas exactement le mettre en dessous. Voilà, juste pour diversifier tout ça. Hop là. Et voilà. Si ça avait été une carte, probablement que je l'aurais collée avec des dimensionnels. Mais là, comme il est voué, elle est vouée, cette page, à être dans un cadre. Et que je ne veux pas un cadre 3D, mais vraiment un cadre très fin. Voilà, je préfère laisser avec de la colle. Et voilà, cette deuxième page, elle est terminée. Voilà, elle n'a pas besoin de plus, je trouve. Elle se suffit à elle-même, avec les découpes en blanc qui font ressortir les photos, qui atténuent un petit peu le papier hyper chargé, qui finalement, vous voyez, eh bien tout de suite, il est un petit peu moins chargé, donc c'est quand même assez sympa. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous remonte la deuxième, enfin la première à la base. Voilà, on a les deux pages qui sont sur le même principe, mais voilà, même collection, même disposition, on a simplement des couleurs différentes et des décos différentes, mais finalement, eh bien, on se retrouve avec deux versions quand même différentes, et ça, je trouve ça trop, trop chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment agréable d'avoir toutes ces possibilités avec une seule et même collection et une seule et même mise à disposition. Merci beaucoup, c'est chouette. Alors, ça vous a plu? Est-ce que vous allez reproduire tout ça? Peut-être qu'avez-vous scrappé en même temps que moi aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, je serais très très heureuse de pouvoir, bien sûr, voir vos versions, ça me ferait super plaisir. Donc dans ces cas-là, pour que je sois notifiée, parce que du coup, parfois, je suis sur Facebook, mais je ne vois pas les différents commentaires si on ne me cite pas. Donc, il faut mettre le hashtag HarmonyScrap en un seul morceau, et du coup, eh bien, comme ça, je reçois potentiellement un commentaire, quand ça se passe bien, pour que je sois informée d'aller jeter un œil sur vos versions. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que celle pour qui il ne fait pas beau et tout gris, eh bien, ça vous a réchauffé un petit peu vos petits cœurs. En tout cas, moi, j'ai adoré vous présenter ces pages. Vraiment, je me suis éclatée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et on se retrouve sur mon blog dans quelques minutes, le temps que la vidéo charge. Vous allez pouvoir retrouver donc la fiche technique. Je vous ai dessiné un sketch pour retrouver eh bien, la disposition des différents éléments. Et puis, vous avez les mesures, bien sûr, et évidemment, la liste de tous les articles que j'aurai utilisés et que je vous ai présentés aussi en direct aujourd'hui. Vous aurez toutes les références. Voilà, je vous rappelle, comme je vous ai dit en début de live, qu'on ne se retrouve pas en live à proprement parler lundi prochain, puisque je serai partie avec Chouchou. Mais je vous ai préparé un projet qui sera diffusé donc lundi prochain à 14h sur YouTube et bien sûr sur Facebook, d'accord, donc pas d'inquiétude, avec comme d'habitude un article complet avec une fiche technique, une vidéo, la liste des produits, comme d'habitude, sauf que c'est pas moi qui serai là en direct et qu'on n'échangera pas en direct. Et le lundi 29 par contre, il n'y aura pas de live du tout, voilà, pour plein de raisons. Donc on se retrouvera dans une quinzaine de jours, mais par contre, bien sûr, je vous donnerai des petites nouvelles pendant qu'on sera en Norvège. Merci ma petite Fafa, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais dis-le, tu peux être fière de ton travail.
C'est dingue. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais Fafa, j'ai quand même parlé du voyage, j'ai quand même dit que j'avais réussi à l'avoir, et j'ai quand même dit que j'étais à un cheveu d'avoir celui de l'année prochaine. Bon, donc je fais des efforts. Voilà, sur ce, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie du fond du cœur pour ce bon moment passé avec vous. C'était vraiment très agréable pour moi aussi. Alors, prenez soin de vous, surtout, continuez à scraper, faites-vous plaisir, et puis on reste en contact de toute façon, hein, vous savez bien. Merci beaucoup, beaucoup pour tous vos souhaits, c'est adorable. Une grosse semaine de travail avant de partir, et après, on oublie tout. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, et à très très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!